les gars, parlez tous très très bien. Moi, ça va superbe. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir, analyser un petit peu, décrypter la cinématique Ombre Souterraine, peut-être l'une des dernières cinématiques officielles en CGI avant la sortie de The War Within. On se la mate ensemble juste avant, c'est la première fois que je vais la voir, 2 minutes 46. Et juste après, on y réagit et on voit si à quelques points on peut revenir dessus. C'est parti. Ok, ensuite il n'y a rien, nanana, après acheter des piques éditions, tout ça. Ok, alors, pas mal de trucs intéressants. Bon, alors, c'est des trucs qu'on avait déjà un peu vus lors de la dernière petite cinématique qu'ils nous avaient présentée. Et c'est pour la plupart la continuité. Vous voyez, avec le nain qu'on avait déjà vu, on avait déjà analysé tout ça. Pareil pour celle de Sainte-Chute, pareil avec cette nouvelle race qu'on devrait voir de plus en plus, certainement dans un patch ensuite de The War Within, où ils devraient avoir leur propre zone avec leur propre lore, parce qu'on les voit que très peu durant le pixing, mais très bien, donc on ouvre un peu plus tout ça, on voit ici, donc il contrôle un petit peu peut-être tout ce qui est nature, etc. Où on peut revoir ça, juste ici, vous voyez, hop, on voit, il contrôle un peu tout ce qui est la nature, tout ça. Là, on a une très belle image de Sainte-Chute, juste ici, hein, avec donc le cristal dans le ciel qui s'illumine. On sait qu'il a plusieurs cycles, il a des cycles lumière, il a des cycles vide là-dessus. Une des fameuses forges des terrestres, la voilà, c'est pareil, on voit, hop, où il contrôle tout ça. Donc certainement des personnages qui sont tous importants dans l'histoire de The War Within. Ici, vous voyez, avec une petite armée de Sainte-Chute juste derrière. Là, pareil, la Forge des Terrestres, qui est certainement l'endroit, l'un des endroits les plus importants. Et ici, l'entrée à Ashkajet. Et c'est à partir de là où la minute ici est une minute totalement inédite qu'on n'a jamais vue. Même s'il y a beaucoup de publicité à la fin. Avec donc la reine Ashkajet ici. Enfin, la reine d'Ashkajet. Avec cette espèce de truc, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Un truc du vide, peut-être. On a concocté quelque chose. Et là, on a l'une des premières images en CGI, donc de la reine d'Ashkajet. D'Ashkaet. Et là, on a tout un visu en CGI sur la cité d'Ashkaet. Et c'est vraiment stylé. Avec cette espèce d'œuf ici. Alors, est-ce que c'est un œuf qui renferme quelque chose ou c'est juste purement décoratif, purement, comment pourrait-on dire ça,
purement sacré. Oui, enfin, c'est pas un vrai œuf, mais il est là pour être prié par toutes les cités d'Ashkeret. Et on finit avec le Gozwaruzen et donc évidemment Xalatat et son petit rire. Parce que c'est elle qui est derrière tout ça. Donc tout ça, c'est inédit, ça on en avait déjà un peu parlé, c'est les images sur la continuité de celles qu'on avait déjà vues. Et tout ça, c'est inédit avec donc la reine d'Ashkhajet devant cette espèce de truc, on dirait que ça a des yeux. Est-ce que c'est une membrane d'un DTA? Est-ce que c'est un reste d'un DTA? On sait pas trop, en tout cas, elle est en train de prier des trucs devant, on dirait. Elle contrôle peut-être du sang de DTA ici, on sait pas trop. Hop. Et elle concocte quelque chose. La reine d'Ashkhajet, où on voit ici en CGI, elle est magnifique. Hein. Bon, elle est évidemment dégueulasse, moche, mais elle est magnifique dans sa mocheté. Et là, hop, on rentre dans la cité avec tous ces petits nérubiens qui volent. Ici, je crois qu'on envoie des terrestres. C'est vraiment splendide. C'est vraiment splendide, en tout cas, ça donne envie de visiter cette cité. Donc les gars, voilà pour la nouvelle cinématique Ombre Souterraine. N'hésitez pas à la retrouver sur le YouTube officiel WarcraftFR et aussi en... VO, même s'il n'y a pas de voix, sur le World of Warcraft US, évidemment. J'ai pas grand chose à dire sur cette cinématique, j'avoue, mais je voulais quand même faire ma petite réaction. Je la trouve évidemment très bien travaillée, comme d'habitude, comme toutes les CGI de chez WoW. C'est tout le temps magnifique. On voit vraiment la mise en avant de personnages importants, de zones très importantes, à mon avis. Donc, on a Sainte-Chute, ici, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'une des zones aussi. Et bien sûr, la cité d'Ashkhajet qui va être extrêmement importante. Donc voilà les gars, je vous fais des gros bisous et à très très bientôt.